Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne nous étonnons pas. Lorsque j'étais un petit garçon, mon petit frère en lieu de prière, parce qu'il s'évanouissait souvent. Ce garçon s'appelle Gagneur, celui que nous appelons Bimba Kamba. Elle l'avait emmené à cause de son état de santé. Je rentrais de l'école primaire et j'avais appris que maman n'était plus à la maison, qu'elle était allée à ce lieu de prière. Cette dame qui habitait à Massina et qui s'appelait maman Biendolo. Elle s'habillait en pantalon et avait des cheveux blancs. J'avais pris mon cerceau, sorte de jouet de jeune garçon, et je suis allé à cet endroit de prière. Je m'étais dressé devant le portail. Cette dame est venue dans cette congrégation avant d'entrer dans leur concession et pulvériser de l'eau sur la personne qui se présente. Elle est venue dans ce sens. Arrivée devant moi, elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée d'où elle venait en s'écriant: Alléluia, qui est cet enfant? Ma mère était dans la maison. Dans cette congrégation à Ngunza, lorsqu'on prie pour quelqu'un, on garde la porte fermée. Maman avait légèrement ouvert la porte pour voir qui c'était. Et s'était crié: c'est mon fils. Et cette dame lui a dit: dans tous les déplacements de ce jeune garçon, Saint-Michel, là-haut, après, le suit dans tous les sens. Ensuite, elle m'a pulvérisé d'eau. Elle a ouvert le portail et m'a fermé. Elle a dit à maman: achète-lui 4 paquets de bougies pour que, en fonction de ce signe, j'ai aperçu que j'ai vu, je prierai pour remercier l'Éternel. Sans doute que ce signe est annonciateur d'une grande action à venir. J'étais encore à l'école primaire. Parce que certains, lorsqu'ils entendent parler de Saint-Michel, aujourd'hui, se demandent qui est ce Saint-Michel. Certains se disent que c'est peut-être la fraternité Saint-Michel, et d'autres se disent autre chose. Non, existe dans la Bible. C'est vrai que il est vrai que des personnes sont nées en arrivant du ciel et sont devenues des humains, sont nées des hommes et des femmes qui leur ont donné des noms de ce monde, de cette terre. Mais il y a des gens qui sont nés à qui, pour qui Dieu a dit par avance que cet enfant s'appellera un tel. Il y a cette catégorie. Il y a des noms aussi qui sont écrits depuis le commencement. Parce que j'ai rencontré des personnes qui disaient: toi, tu es à la tête d'une grande cause de noir. Mais on a vu le nom de Saint-Michel. Mais Saint-Michel, c'est celui qui combat les noirs. C'est lui qui a marché sur le noir. Alléluia. Après, notre ancêtre, c'est Satan, c'est le diable. Saint-Michel,
Si tu continues d'appeler Saint-Michel, tu fortifies les gens. Frère, mon ami, ne reste pas de couleur. Ne reste pas dans de telle sorte d'esprit. Tu es d'esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les vrais adorateurs que Dieu cherche. Alléluia! Mais le nom de Saint-Michel, Boutoutana mou Daniel chapitre 12. Le prophète Daniel, et ce sera une époque de détresse qui va se produire ici, sur la terre. Cette époque-là n'a jamais existé depuis que les nations existent. Et c'est en cette période-là, en cette époque-là, que ceux qui dormaient dans la poussière de la terre, les uns se lèveront pour la vie, les autres se lèveront pour la honte et l'opprobre. Alléluia. Amen. Et ce n'est que quand Jésus est venu, quand il a parlé de la résurrection des morts, et même Paul, quand il a dit dans 1 Thessaloniciens, il a dit à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Amen. C'est vrai que Paul n'avait pas précisé quel archange. Ce témoignage. Alléluia. Du travail. Mais c'est pas tous les services. Bouna. Cette chanson, nous l'avons reçue en 1992. Après la conférence nationale. Passer la conférence parce que c'est moi qui veux créer une armée. Mais quand j'ai prié dans mon enfance, depuis mon enfance, chez les catholiques. Enfin, si vous n'êtes pas couché côté, Moudibundu, Rivataka, les églises de réveil. Alléluia. Les églises de réveil. Et Moudibundu dit réveil. On ne parlait jamais de Saint-Michel. On ne parlait jamais de Saint-Gabriel. On ne parlait jamais. Oh voilà, il faut porter du violet blanc. Ou soit. Rien de ce témoignage. Maintenant, j'ai été consacré éléments. Évangéliste. Et j'ai commencé à prêcher. Je suis allé jusqu'au nord. J'ai créé une église là-bas. Plusieurs localités, juste là-bas. J'étais encore très jeune. J'ai fait plusieurs années dans le mouvement pentecôtiste.
Former une armée. Oh. Que je fasse une armée. Mais selon moi, une armée, c'est un instrument de gouvernement. Parce qu'ils ont des armes, mais dans l'église, je suis le Dieu des armées. Dieu parce que dans l'église, l'armée, parce qu'il ne peut pas manquer d'armée. M'a fait lire parmi lesquels Nathan la paix, parmi Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, non, ses eaux desséchées, c'est toute la maison d'Israël. Ce que veut dire cette vision qui a perdu espoir. Donc l'armée, ça veut dire que je me suis dit, ah oui, mais comme un solo dans ma Christo, mais comme un solo dans ma Yisou, ah oui. Oui, l'armée du salut peut être l'armée. Je me suis souvenu que l'armée du salut peut être l'armée. Et donc, quel endroit aussi, les Zéphirins, ils ont des grades. Ils ont des grades. Alléluia. Mais quand on dit là, ça que je porterai une mission, une cause nationale. Parce que cette cause nationale est arrivé après. Après c'est donc à ce moment-là qu'est arrivé ce que tu prendras qui doit être mis à part. Donc comment vous êtes à vivre plus à la manière de 1 Corinthiens chapitre 9 comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, lorsque vous le lirez jusqu'au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent plusieurs abstinences. Ils le font pour hériter une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour obtenir une couronne incorruptible. Donc, Baoumpe, ils seront mis à part. Et ils mangeront de telle manière, ils s'habilleront de telle manière. J'ai passé la communication dans l'église. J'ai demandé lesquels étaient les volontaires. Alléluia! Nombre n'était pas. Du nombre où nous étions. Il n'y avait eu personne. Personne n'était retenu. Mais il n'y a eu que 7 qui étaient rachetés. Alléluia. Amen. Il y en a nouveau en 1992. Parmi lesquels, Papa Doc Gozardio, Mama Sansus, Mama Oyan, Takinkondi, Papa Conseiller, ainsi de suite. Pas 7. Ils étaient 7. Sacrement va quota, il y a jeûne. Sans rentrer dans un sacrement de il y a ça jeûne, un mois. Qui a duré. Après, il fallait les consacrer, les présenter. Par rapport à notre ministère, Mina Mibatichi s'engage. Ensuite, il fallait les consacrer. Et ce jour-là, c'était un soir dans lequel il s'était engagé. Ce soir, nous étions dans le lieu que nous avions construite. Je regardais, je voyais. Alléluia. Et j'ai vu descendre une boule de feu. Qui est descendue du ciel. Et qui c'est possible de la regarder. Mais vous ne pouvez pas la regarder. Tiens, moi, je la voyais. Qui s'enflamme.